Ce week-end a été difficile pour l'OGC Nice. Malgré la victoire des pros vendredi soir face à l'OM, les trois équipes à l'affiche de ce dimanche se sont toutes inclinées. Les U19 nationaux recevaient Clermont Foot à 10h30. Les Aiglons se font rapidement surprendre sur coup de pied arrêté. Mathias Pereira Lage surgit au premier poteau et ouvre le score en début de match. Malgré une tentative sur corner de la part des Niçois, les Clermontois plus réalistes aggravent le score sur un magnifique coup franc de Geoffroy Makoubama. Les Niçois n'ont pas dit leur dernier mot et reviennent dans le match grâce à Hervé Fourier. Clermont Foot profite ensuite d'une incompréhension générale pour filer au but et porter le score à 3 buts à 1. Pereira Lage en profite pour signer un doublé. Les dernières tentatives niçoises ne changeront rien. Clermont s'impose 3 buts à 1. À 14h30, les U17 recevaient le leader Montpellier. Deux points séparent les deux équipes avant le coup d'envoi. Ce sont les hommes d'Alain Wattelet et d'Emers Faé qui se procurent la première occasion sur un coup franc dévié qui ne trouve malheureusement pas le cadre. Les Montpelliérains se réveillent et ouvrent le score sur un bon débordement côté gauche conclu par Joris Gouache. Nice tentera de revenir à tout prix mais bute sur un Johan Beda en pleine forme. Le manque de réalisme du gym va lui coûter cher. Montpellier aggrave le score grâce à Cyril Manzui. Les Aiglons n'arrivent pas à trouver la faille, à l'image de cette belle tentative de Gamero qui frôle le montant gauche. Montpellier s'impose finalement 2 buts à 0. À 15h30, la CFA se déplaçait à Grenoble. Les Aiglons encaissent rapidement un premier but sur une belle action collective de la part des Grenoblois conclue par Accrour. Il y a ensuite ce coup franc dangereux, regardez les joueurs de Nice sur la ligne de but, un style défensif atypique qui porte ses fruits puisque le ballon est repoussé de la tête par Boscagli. Les hommes de Régis Benardo poussent mais ne parviennent pas à tromper le portier adverse. Grenoble tente de creuser l'écart à l'image de ce magnifique coup franc qui s'écrase sur la barre. Ils vont ensuite enfoncer le clou sur pénalty grâce à Nasrallah. La dernière occasion de Dada n'y changera rien, score final 2 buts à 0. Seulement 3 équipes de l'OGC Nice ont joué ce week-end. Voici donc les résultats. Samedi prochain, la CFA reçoit Béziers. Les U19 iront à Ajaccio. Dimanche, les U17 se déplacent à Istres. Les féminines et les U15 DH-DHR joueront à domicile.